Australia. We are here, the Orange Dot, and this is Cap Lewin. Cap Lewin. Et voilà les amis, un grand moment. Je suis en train de passer la longitude du Cap Lewin que j'ai matérialisé ici. On a passé le Cap Lewin cette nuit, donc ça c'est cool. Maintenant direction Cap Horn. On est enfin rendu sur les galets. Le vent d'un petit cheveu d'effet. Voilà, là on commence une nouvelle semaine, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Chaque fois qu'on commence une nouvelle semaine, bah on ouvre les sacs qui vont avec. Donc petit cours d'histoire, le Cap Lewin, qui s'appelait avant Dougaloup quand il était habité par les aborigènes Warrandi. Et puis il s'est appelé le Cap Lewin en hommage à la Lewin, qui était une embarcation hollandaise qui a cartographié les lieux. La Lewin qui veut dire la lionne. Alors en général, on récupère déjà un premier sac comme ça. Donc voilà, donc là par exemple, j'ai ouvert celui-là avec des barres de céréales, de la compote, des petites barres cook and run. La boucaille. On est à 90 suivants, ça fait du bien parce qu'on était au frais jusqu'à maintenant, donc ça tapait beaucoup. Alors petite explication de ce qui va se passer les prochaines heures. Donc on voit, moi je suis le bateau rouge, Jean Le Cam c'est le bateau vert, là c'est la zone d'exclusion des glaces. Donc en fait, on va passer le coin qui est ici, donc je vais réussir à passer devant Jean, ça c'est une super bonne nouvelle. Le but du jeu étant, voilà, étant en fait, il y a une zone sans vent qui est ici, qui se décale légèrement comme ça. Donc en fait, une fois que j'aurai passé le coin, ici il faut que je descende le plus possible le long pour essayer de faire du sud le plus rapidement possible. Parce que cette zone ici qui est bleue, où il n'y a pas de vent, en fait, elle se décale, je vais pouvoir retrouver du vent sur son côté et dans son sud. Quoi. Voilà. Et l'idée, c'est que cette zone de molle, elle vienne barrer la route des poursuivants plus que de la mienne. Donc voilà, si ça se passe comme ça, ce sera plutôt pas mal. Mais bon, ça va nécessiter quelques manœuvres là, sachant qu'il fait déjà nuit pour nous depuis déjà au moins 2 heures.